أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, aujourd'hui j'ai décidé de vous donner un grand secret après avoir reçu certains messages. Ce secret fait partie des salats que je vous ai dit que je vais parler des salats. Mais rapidement, j'ai décidé de vous donner un secret, un miracle qui est très 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 efficace. Je ne vais pas faire de commentaires, je vous demande juste de le pratiquer, s'il vous plaît. Chaque personne, que tu la sois, tu es commerçant, tu es un chanteur, que ce soit n'importe quelle personne qui veut être connue, avoir de grandes relations, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout simplement, ce secret, vous allez le pratiquer. Il y a trois plantes que vous allez chercher, premièrement. Deuxièmement, vous allez écrire trois solats. Troisièmement, il y a un ayah que je vais vous expliquer tout. Vous allez écrire ça. Les premières choses qu'on doit écrire, avant d'aller loin, je vous demande de vous abonner, de ne pas oublier de vous abonner, de les partager partout, faire savoir tout le monde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez écrire wa shamshi wa duhaha, surat al-shamsh, à condition d'écrire warfa'na laka zikraka. Ça, c'est un secret très 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 efficace. Juste pratiquez-le seulement, vous allez venir témoigner. C'est pas un secret qui est difficile à faire. Il faut juste avoir du courage. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans Surat al-Shura, Warafa'na laka zikraka. Vous allez écrire Warafa'na laka zikraka à condition d'écrire après chaque verset de Surat al-Shams. Chaque verset de Surat al-Shams. Surat al-Shams, c'est dans le Coran, parmi les dernières surahs dans le Coran al-Karim. Donc, c'est 91e surah dans le Coran al-Karim que vous allez écrire après chaque verset. Vous allez écrire wa fa'ana laka zikraka. Je vais vous lire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal shamshi wa duhaha. Vous allez écrire wa rafa'ana laka zikraka. Wal khamari zatallaha wa rafa'ana laka zikraka. Wal nahari zajallaha wa rafa'ana laka zikraka. والليل إذا يغشاها ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا لا والسماء وما بناها ورفعنا لك ذكرك والأرض وما طهاها ورفعنا لك ذكرك والنفس وما سواها ورفعنا لك ذكرك فلا ألهم فجورها وتقواها ورفعنا لك ذكرك قد أفلع من زكاها ورفعنا لك ذكرك وقد خاب من دساها ورفعنا لك ذكرك كذبت ثمود بتقواها ورفعنا لك ذكرك إذ انبعث أشقاها ورفعنا لك ذكرك فقال رسول الله ناقة الله وسقياها ورفعنا لك ذكرك فكذبوا فأغروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ورفعنا لك ذكرك ولا يخاف عقباها ورفعنا لك ذكرك. Vous allez écrire tout ça là comme ça, 3 fois ou bien 7 fois. Le mieux c'est 7 fois. Semaine c'est 7 fois. Vous allez l'écrire 7 fois. Après, il y a 3 solats dans Dalail Khairat qui sont collés. Le premier, vous allez l'écrire 92 fois. Deuxième aussi, troisième aussi. Le premier, c'est Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala khadr ubika fihi, que vous voyez sur l'écran là. Deuxième, c'est Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala khadr inayatika bihi, que vous voyez sur l'écran là. 92 fois. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala haqqa khadri wa min darihi al-azim. Vous allez écrire ça 3 fois. Donc, tout ce solat, vous allez écrire tout ça là, toutes les 3 solats là, 92 fois. Après avoir obtenu les nasi là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il y a 3 plantes que vous voyez sur l'écran. Je vais vous montrer. Le premier, c'est haricot. Vous allez chercher haricot, le fil et le feutre. Le fil et le feutre. Ce que l'on mange, c'est pas ça on va ajouter, non. Le fil et le feutre. Vous allez chercher haricot comme ça. Si vous êtes un homme, vous allez plier les dés là en 3. Mais si vous êtes une femme, en 4. Après, il y a un arbre, on dit zaban.
Donc vous allez aussi avoir les fils qui sont jusqu'en haut, vous allez monter, les couper, les plier, que ce soit 3, un homme, 4, une femme. Maintenant, il y a un arbre, Foloko Falaka aussi, vous allez chercher un homme, 3, une femme, 4. S'il vous plaît, amenez les plantes là, mettez-les dans un marmite, faites-les bouillir, que ça soit bien bouilli, après avoir fini de les faire bouillir. Allah Akbar, tous ces arbres là, quand ils marchent, Hariko même, quand Hariko naît, il dit en nom de Ismoulo Azam, Hamoun, Famoun, j'ai pas envie de parler de ça maintenant, mais dans les jours à venir, je vais vous donner ce secret qui est aussi plus puissant pour les rappeurs, pour les chanteurs, tout pour être connu, les grands commerçants. Mais aujourd'hui, maintenant, vous allez chercher les trois, un bon marmire, les mettre dedans, les faire bouillir. Après avoir fini de les faire bouillir, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est bien bouilli, vous allez ajouter les nasi là. Les nasi que je vous ai dit d'écrire. Vous allez ajouter les nasi là, mais vous allez attendre d'abord. Si c'est chaud, vous allez attendre d'abord que ça soit un peu refroidi. Maintenant, vous allez ajouter les nasi là. Vous allez vous laver avec chaque matin. Il ne faut pas que ça soit le soir. Chaque matin. Chaque matin, vous allez vous laver avec pendant une semaine. Pendant une semaine, chaque matin. Au moment de lever du soleil. Moment de lever du soleil, vous allez vous laver avec. Mais pour vous laver avec, il ne faut pas que ça soit dans la toilette. Un endroit sale. Non, non, non. Il faut que ça soit un endroit qui est propre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Après ça, avant 3 mois, vous-même, vous allez remarquer comment vous êtes connu. Vous allez être étonné. C'est un secret qui est miracle. On va continuer à vous donner des secrets, Inch'Allah. On va vous parler de talsam, tout, Inch'Allah. Bismillah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent le talsam. On n'est pas encore arrivé parce que ceux qui ont étudié chez les marabouts, ils savent comment ça se passe. Parce que tu peux étudier, c'est un marabout, il peut te donner un livre qui s'est rempli dedans les secrets. Toi-même, tu les pratiques, certaines, tu vois des résultats. C'est ce qui nous pousse à donner des secrets. Sinon, ces choses-là, si on les fait, qu'on ne voit pas des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas se lancer et les faire. Non, non, non. On a vu des preuves. Donc on vous donne aussi, on vous demande d'avoir courage de les faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc je vous demande de les faire, d'avoir tout le temps de courage. Donc vous allez vous laver avec. Il n'y a pas de zikr à faire. Il n'y a pas de zikr à faire. Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas les laver dans les endroits qui est sale. Voilà, il faut tout le temps être propre. Allahumma salli ala Muhammad.